Donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui se passe concrètement du côté des gamins en termes d'organisation? En fait, il n'y en a pas, il n'y a rien. Elle leur dit, trouvez-vous une organisation, mais... Ils ne peuvent pas s'en trouver puisqu'ils sont de toute façon déjà installés, ouais. Tout est prêt. Ils sont organisés. Oui, ou pas organisés, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas un mode d'organisation possible puisque tout est prévu à l'avance. Donc, on leur demandait de s'organiser alors que de toute façon, ils sont déjà assis à une place précise. Je ne vois pas comment ils peuvent s'organiser, non? On a commencé. Et qu'elle a mis en place, il semble qu'elle attrape peut-être tout à l'heure. D'accord. Les différents adultes, c'est séparé par des paravents, en fait, juste comme ça? Oui, ouais, oui. Là c'est vraiment... Alors, elle démarre la séance dans un coin où ils sont tous ensemble, tous autour de la table. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que là, elle installe le groupe et l'histoire commence. Enfin, continue, parce qu'on voit bien qu'elle, dans ce moment-là, elle fait bien référence à tout ce qu'ils ont fait avant, puisqu'elle a le journal. Et puis, elle leur explique ce qu'ils vont faire là. Et, alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais c'est quelque chose que je note sur ma feuille. Quoi. Moi, je trouve que c'est intéressant. J'ai noté quelque chose du style inscription de l'action dans le temps, parce qu'elle ne démarre pas l'activité. Elle prend vraiment le temps au démarrage de parler de l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses, en fait? En fait, je fais des liens avec ce qui s'est passé, moi. Je trouve ça bien, hein. Parce que même dans la question des positions, parce que pour autant ils me souviennent, dans ce que j'ai vécu moi, la candidate est restée toujours debout et à distance des enfants. Il y avait deux tables, t'as dit. Alors qu'elle, elle est au milieu des enfants, et on voit bien que là, il y a une relation qui s'est établie entre elle et les enfants. Alors qu'à mon avis, dans l'autre situation, la relation, il y a une relation, mais elle n'était pas la même qualité, elle n'était pas la même nature. Et moi, c'est une des choses que je vais retenir, c'est la question de la communication. Entre la relation, tu dis relation avec les enfants. Elle est présente, elle est au milieu d'eux. Enfin là, celle-ci, celle de Lyon, elle est présente, elle est au milieu d'eux, elle prend le temps d'expliquer l'histoire. Oui, 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 parce qu'elle a un journal, avec chaque séance, est marqué, il y a un récit de ce qui s'est fait, donc là, elle reprend les séances précédentes avant de présenter la séance. Alors, celle de Nintré a dit aussi ça, elle a dit... ça fait référence à quelque chose qu'on a fait déjà avant, mais ça reste très abstrait. Et c'est très abstrait d'abord pour moi, mais c'est ça. Je fais l'hypothèse pendant le déroulement que c'est abstrait aussi pour les enfants. Ouais. Et dans ce temps-là, moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est à ce moment-là que j'ai noté, je pense, hein, dans cette séquence-là que j'ai noté, c'est que sur ce moment d'histoire, elle fait parler les enfants, oui. C'est pas elle qui présente. Et elle fait le point sur qui était là, qui n'était pas là la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a fait? Enfin, elle fait vraiment... c'est interactif. Tout à fait. C'est parti, les enfants. Donc, trouvez-vous une organisation pour ne pas vous gêner. Hein? Je regarde ma tête là sous un autre angle, je suis très dubitatif sur tout ce que j'entends. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah oui. Ah oui, mais c'est. Là on le voit. Hein. Ah, oui, oui. Là, c'est. Plus je regarde cette séance, et puis effectivement, je dis, mais qu'est-ce qu'elle. Je vois que. Ça se voit sur mon visage, quoi. Si elle m'avait regardé, elle aurait eu un indicateur de oulala, où est-ce que je vais? Ah. Et elle vous regardait? Non. Alex, non plus. Pas l'impression. Non, l'impression. Et par rapport à l'activité des enfants, pendant qu'elle donne ses consignes, vous vous souvenez ce qui se passait? Je m'en souviens, oui, parce que quand moi, on filme, on les voit, ouais. Effectivement, ils sont plus déjà autour de la Terre, en train de discuter en petit groupe, que d'écouter ce qu'elle raconte. Sauf au moment où, effectivement, elle me dit qu'il ne faut pas le faire avec. En enfonçant les doigts, mais en lissant, effectivement. Donc ils écoutent à moitié, mais ils ne sont pas. Il n'y a pas un dialogue qui est établi entre les deux. Là. Elle donne des consignes d'ordre général, mais incompréhensibles, et donc ils ne les écoutent pas. Quoi. Ils réalisent la tâche qu'elle leur demande?
Après ? Pendant cet exemple, Non, parce qu'ils ont la Terre devant les yeux et ils commencent déjà à se dire j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'y aller. Et qu'en règle générale, en plus, beaucoup d'animateurs ont intégré le fait qu'on commence par discuter autour de ce qu'on appelle un coin de discussion. Et, même dans les écoles, ils le font maintenant. Pour ne pas être déjà face à la matière, on va discuter des séances précédentes, etc. Puis après, on y va, quoi. Et que là, et un gamin, c'est normal, hein, il y a de la terre devant, la première chose qu'il a envie de faire, c'est mettre les mains dedans. Ça, ce serait souhaitable qu'elle fasse comme ça. Je pense qu'elle aurait une écoute plus attentive des gamins si elle les avait réunis, ce qui se fait beaucoup maintenant, dans un petit coin. On refait le point sur la situation, la séance d'avant. Et elle se serait peut-être d'ailleurs plus rendu compte en les ayant effectivement en position de demi-cercle qui ne captait rien. Quoi. D'accord. Ça, c'est le point de vue, on pourrait dire, du professionnel qui connaît Alex. Tu partages pas forcément avec Alexandre cette expérience de l'animation pédagogique avec des enfants sur la Terre, etc. Sur la Terre, non. Mais moi non plus sur la Terre. Non, sur la Terre non plus, ouais. Je suis lâché dans les activités manuelles. Donc ça c'est un modèle plus général. C'est un modèle plus général. C'est-à-dire on rassemble d'abord les enfants, on parle de ce qu'on va faire, et avant de les mettre en activité, quoi. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, ces séances doivent être un concentré de la bonne pratique d'animation avec beaucoup de guillemets. Ouais. Donc, il y a des constantes. Ah oui. Elles n'y sont pas. Et ces constantes-là, voilà, ça va être sur le déroulement d'une journée.